Le fait que vous amène une discussion sérieuse. Ça va une discussion là. Si il retourne et fait une bonne proposition, mais quand nous discutons sérieusement, c'est ça. Ça va arriver à une conclusion. Comme toujours, même offre. Voilà, si nous causons programme. Qui le programme de MMM, MSN, etc., qui le programme de MMS, etc., efface cette bananie d'incompétence et de scandale, nettoie et relance la municipalité. Nous tenons le même programme. Bandimoun qui ne vote à MSN, ne vote pour la même raison que nous. Efface cette bananie de Gabji, nettoie et relance la municipalité. Et on se dira, Moulin, posez lui dire, ça m'a fait avouer, franchement, hein, il fait pitié. Moulin me fait pitié quand il arrive là. Il me dit, ah, mais ce programme, pareil, mon programme, c'est une banane, il est une fanée. Mais pour que là, vous bien, descendre, qui est là, vous pourrez vous pleurer, comme on calcule, la vie de la main. Il vous connaît, puis il va. Donc, logiquement, si un MSD est sérieux, le grand municipalité de nettoyer, régresser, lancer un projet, etc. Pas qu'à causer à travers la gazette, gna gna. Ils ont cisé, causé, sérieux, avant une discussion sérieuse. Mais au niveau de l'offre, c'est toujours à la meilleure pour voir les opinions, mais au cas où vous faites des efforts, faire des mises de vie. Regardez, nous-mêmes, au cas où vous êtes, tout est possible. Tout est possible. Mais pas dire nous travailler avec des gens qui pourrissent sa municipalité là pendant cette banane. Pas dire nous travailler avec ban semeur macaroni. Avec oublier ce nom, ça l'autre bébête là. À part Doua Kassim, ça l'autre là. Mais on a vu une boule, il finit tout fait dans macaroni. Non, ça l'autre candidat travaille ça. Bébête, comment aider les Chimons, comment soulier le Doua Kassim. Ban l'armée macaroni. Alors, celle qui ne veut pas dire nous travaille avec Van Bébé comme ça. Pas dire nous travaille avec non. Et tout le reste, sujet à une discussion sérieuse. Je disais, ma discussion sérieuse. Ce qui est au cours de cette discussion sérieuse, là, il est capable aussi de plaquer un loft vers le MMSD pour qu'ils aient intégré au remake de 2000. Avec, bien sûr, les élections de 2015. Alors, bien sûr, c'est. Si, comment dire, il y a un effort du côté des MMSD, il ne faut pas prévoir terrain pour discussion pour l'avenir, pour advenir ça. Il faut probable, il ne faut pas pour dire non. Vous rappelez-vous qui c'est MMSD qui trimait? C'est MMSD qui n'allait. Est-ce que c'est vrai que c'était à cause de au refus à cause des tickets? Non, écoutez, élection n'a même pas à l'horizon. L'immune demande d'étiquette pour procéder à l'élection. Moi, je disais que c'était bien logique. Avant, nous étions à 60 candidats et ils acceptaient une candidature. Ça peut être dans le cadre de Rimé, nous diminuer par moitié, nous venons l'autre 30, nous doubler, nous y aller. Moi, je disais, c'est plus difficile. Nous restons dans nos positions qui, sur une étiquette, ça va me dire vite, ça va nous rouler. À that point in time, on est bon, bien. Non. À that point in time, moi, Motidiali, laisse l'État faire son travail. Moi, Motidiali, laisse l'État faire son travail, nous pour arriver à un arrangement. Lui, il préfère aller, comment se cause bon avis. Continuer dans mon pécose pour ban qui nous vote nous là. Continuer dans le même chemin et nous faire l'appel aux autres aussi, comment se réaliser, comment se comprendre avec ce pays là. Et si les autres les quittent un pays à côté pour faire bon vivre pour l'avenir pour les autres enfants, mais ils ont déjà qu'on choisir notre chemin. Maman, mais ça c'est bravo pour le résultat et pareil pour le tsunami. Oui. Une question, une critique qui se fait mettre la commission électorale, est-ce que c'est une motion de blâme contre Yafan Raman et son équipe? Tu as dit comme ça?
Non, enfin, moi, je vous blâme, je ne vais pas me servir ça. Moi, là, si moi, tu voulais servir le mot, là, tu me servis le mot. Mais nous ne sommes certainement pas satisfaits de performance. Ce que nous pouvons faire, c'est pointer la défaillance. Ce qui me choquant, c'est le comportement sans être rappelé à l'ordre d'une grappe de ministres dans l'ensemble de votre. Je ne vais pas tenir à quoi être là. Je suis là illégalement. Il n'y a aucune réaction de la commission électorale. Pourtant, je suis posé le terrain à travers Maurice. Il n'y en a même un ministre qui venait qu'une quinzaine de dix qui ont voté illégalement, usurpe l'identité des autres. L'État nous dit qu'il n'y a pas de bruit. Un officier électoral, il fait un travail, il dit non, je vous amène preuve de votre identité. Fond. Et ça crétin de digital, reste là. Et personne ne va faire rien. Il ne casse plus qu'un bruit. Thank you.